une étoile de Kwake, Amadou Kone, DJ Kedjevara, Estra Musica, Nouvel Horizon, allez Zambalo de guerre, Nakei. Maria, Maria, Maria Ngalala Kungawa, Maria, Maria, Maria Ngalala Kungawa, Ocha Lokolo, 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 Ocha Lokolo. L'international Serge Aurier, Pépère tout manager patron. Abidjan, tout le monde va danser. Battant cette nouvelle aventure, ça m'a donné une envie particulière. Est-ce qu'on peut me remettre ça, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir ça? Voilà, je veux. Voilà. La rafle aussi. Voilà. En tout cas, très heureux de vous retrouver, amis téléspectateurs, fidèles de la télé s'amuse. Bien le bonjour à toutes et à tous. C'est samedi. Et vous le savez, les samedis, on n'a pas le temps pour écouter les conseils. Non. Voilà. On est dans le bruit et puis on y va à fond la caisse, quoi, tout en étant prudent, en faisant preuve aussi de bonne conscience, tout simplement. Bien le bonjour donc à toutes et à tous. Bienvenue en ce numéro de la télé s'amuse. Envoie encore. Elle va venir dessus. Envoie. Elle va venir dessus. Voilà. Merci. Ça non, va? Non, ça c'est pas mon style de danse. C'est pas quoi? C'est pas, je maîtrise. Ah,
C'est bon. Ici, là, qui sait pas que je suis debout? C'est bon. Ici, là, qui sait pas que je suis debout? Pardon? On sait pas. Vous savez pas? C'est vous encore? Qui les a envoyés encore ici? Seigneur! Vous allez bien? Ils m'ont manqué. J'ai un micro quelque part ici. Donnez-moi ça. Ça va? La chorale, ça va? Ça va! Voilà, c'est la chorale sacrée qui est de ESC. Vous allez bien? Elle est où, mon ami, là? La Jaco. Bon, c'est que vous n'êtes pas là. Voilà. Super. À ce moment, ça va? Ouais, je vais super bien. Tranquille? Ouais, non, je devais porter les verres. Pour compléter le style. Voilà. Tu peux répéter. La jacence. Merci. Et merci. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le plateau, là, est trop aux couleurs. Façon, hein? C'est pas tout. Bon, les hommes, la fait du bruit aussi ou bien? Non, bon, ça ne jamais pas foule. Ça ne jamais pas foule même. C'est qui est juste, quand les gens regardent, ils disent, mon gars, ils sont beaux sur le plateau. Voilà, donc le « il » la domine. C'est comme ça. En tout cas, merci en tout cas de vous applaudir, public. Un public choc, dynamique. Un public des grands jours, comme vous pouvez le constater, donc, d'une part, avec nos amis de l'École supérieure de commerce ESC. C'est leur maison désormais. Ils sont ici quand ils veulent. Ils ont la clé de la télévision. Voilà. Ils ouvrent la porte, ils entrent comme ils veulent. Ils sortent comme ils veulent. Voilà. Que ce soit ceux qui viennent de Wemtenga, de Karpala. Ouagadougou. Hein, voilà. Vous venez, vous entrez. Vous avez raison. Nous aussi, on va venir entrer chez vous. Ah, ESC. Et puis, on sort comme on veut. Ouais, et puis, on a aussi nos amis, donc, danseuses. Hein, voilà. Chorégraphes, interprètes avec nous. Merci de vous applaudir également. Alors, samedi, il faut dire qu'on aura un moment à nous, hein, où on va échanger, question de comprendre un peu certaines choses avec donc, nos amis danseurs qui sont là dans le cadre d'un projet. C'est le projet Engagement Féminin. Voilà, on a vu l'engagement déjà d'entrée de jeu. Est-ce qu'on peut manquer cet engagement? On l'a vu. Oh là là. On l'a vu. Tu vois, quand le plateau est sublimé par de magnifiques dames, tu vois que les choses changent d'elles-mêmes, n'est-ce pas? Dans les go. Voilà. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis habillée en garçon. Attends. Tu n'as pas la chanson, là? Le dimanche à Bamako, c'est le jour des mariages. T'as pas ça, là-bas? C'est lié à mon stylo, mais bébé. Ah, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Et puis, donc, dans la deuxième partie, on va jouer ensemble, comme tous les samedis. On va prendre du plaisir, en tout cas, à vivre cette aventure. Merci encore à chacun d'entre vous de nous faire l'honneur d'être là. Et puis, Samy Booster nous rejoindra aussi d'un moment tout à l'heure. Allez, on va donc se tourner vers nos amis Ardev, si c'est bien cela. On a un micro là-bas, n'est-ce pas? Voilà. Bienvenue, Bazier. Oui. Vous êtes le responsable ou vous êtes le porte-parole? Ben, je suis un des responsables. Un des responsables. Voilà. Vous êtes chorégraphe danseur? Je suis chorégraphe danseur. Interprète? Interprète. Oui. Je suis encore au plateau, oui. Comment? Je suis encore au plateau. Donc, encore au plateau? Oui. Au plateau, c'est-à-dire? Ben, au plateau, ça veut dire que je danse, je continue de danser parce qu'on peut avoir des chorégraphes. Mais qui ne sont pas interprètes, qui ne sont pas danseurs. Quand on continue de danser, c'est au plateau. Mais là, quand on ne danse plus, là, c'est comment? Au plateau. Quand on ne danse plus, on est dans la bassine. C'est dans la bassine qu'on fait la vaisselle, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il nous a dit qu'il est encore au plateau. Il faut qu'on voie ça. Et nous, nous sommes sur un plateau. On est au plateau. C'est pas moi, hein? Alors, femme. Aujourd'hui, là, vous êtes calme, hein? Femme aussi, elles sont là, bruit, hein? Elles sont là, des. Elles sont là, des. D'accord. Alors, il a dit qu'il est chorégraphe, danseur, interprète au plateau. Et nous sommes sur un plateau de télé. Plateau, c'est plateau. Alors, Dordain, est-ce que tu l'as pour moi?
Il a ça. Oui, il a. C'est ce qu'on appelle un pot-pourri, très souvent. Donc, c'est un ensemble de chansons avec des styles bien particuliers. Et c'est un exercice auquel on va vous soumettre. OK. Pour voir si tout le plateau, il répond vraiment. Au plateau. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir pour Basile, s'il vous plaît? Voilà. Tu l'as? C'est parti. On te pose le micro. Un instant. Alors, déjà, il faut. Les gars, on se calme. Il faut savoir que ça va s'enchaîner. OK. Donc, il n'y a pas le temps d'écouter, non, ça s'enchaîne. D'accord. Okay. Ben, je peux vous mettre l'eau à la bouche déjà. On aura donc la salsa, du warba, un peu de jeka, du djongo, okay. Et puis des roukaskas. Daouden, on y va! En tout cas, bel exercice, hein. Un danseur doit s'adapter à tout type. On peut avoir de l'eau pour lui. Il de a l'eau pour lui, le temps qu'il puisse souffler un tout petit peu. Et il je pense qu'on va rester dans l'ambiance hein, pour nous envoyer, bien évidemment, un jeune artiste. Hein, voilà, question de permettre à tout le monde de souffler, de reprendre aussi des forces avec, bien sûr, beaucoup d'énergie. C'est un jeune artiste qui nous vient de la belle cité de Dédougou.
Ça sera bien évidemment une découverte pour bon nombre d'entre vous. On vous demande en tout cas de prêter attention, non seulement au visage, mais aussi au nom, mais également à ce qu'il aura à nous offrir. Merci de faire un triomphe pour recevoir Ariel Buzzmatic. Yo, Rukin. Comment y'a là? Descends. Wedo le Black. Hey. Obega Kuma, le to la me ba fou et kera igun to chena, vi fere kadi fataya le mandi, dunia chena, tinyo on ye fe, kocha ma kera kama ma ke fola, meaning a banjo and this house shinye, otu babu my fara fila, tu ma tu ya ling yango ya beka nusa, aita fo ye kone le koko datu, ne to jugu ye olu dumine jugu ya ga, oti se ka minke ni a koga koga fo, oluga zibe moko to chene, naku dana olu ma nuku dike fe ye, nala du komi alele beke, ne ma fo e ke ora o kom ne ma kosa ne son kwa bo, Mala ora bula no nyere la ni ba fe ebe se bara le nyonte ala ni che binga bandu gacha nyorote parce que bara cha mbo ba ko keme ale boluma anga vide ga di joine de banja rabi andu zuka bo ina fosta ma ba o chama foga me foi ma changer ni mi anu cha do amba le le ke e mana koko ke obe na kuma e mana koko ke obe kuma oka kwanda ba abe viva e mana koko ke obe kuma oka kwanda ba abe viva Kunda andu tale la me mi mambolo odumbale le fe anga poketa mai odumbale le fo wati kono andu bolu le ye odenu butu go olu le kone ti kumaga chene bo chembe le fo ni ne mi e fo le gale le fo o vega kumaga ne to go chiene dun korado ye odu diferason ni ne son bo o ba fo ko ma dia o ba la me sou fe dibi kono o vega ne to go ya moro ye fe no dun ye o be foto dari kone ni ke eske e aye wa odeni ko ale tine kuna na foto ko ambe Waouh. Ariel Buzzmatic, ça va? Dans le micro, hein. Ok, oui, ça va. Ça va? Ça se passe bien? Oui, ça se passe et très bien. Et il y a des dougous? Ouais, ça va très bien. Ça va bien? Ouais, très bien. Alors, la chanson, elle parle de quoi? Bon, Obe Kuma, c'est-à-dire, il parle. Il parle. Mais plus dans le sens, il critique. Ok. Quel que soit ce que tu vas faire, les gens, ils vont toujours parler. Que tu l'aies fait ou pas. Ok. Si tu l'as fait, on va dire que tu l'as fait. D'accord. Si tu ne l'as pas fait, on va dire que tu ne l'as pas fait. Donc, malgré tout ça, il faut faire fi de cela et vivre sa vie comme on veut. Quoi. Mais voilà qui est assez clair c'est en tout thématique. Cas. C'est la thématique. C'est aussi simple. Un message limpide, clair, qui ne souffre d'aucune ambiguïté, comme quoi, fais les choses comme bon te semble, parce que tu le fasses ou pas, il y aura toujours des gens qui auront des choses à dire. Ouais, c'est un single, c'est très d'un album. Bon, c'est un single. Un single sorti depuis quand? Sorti depuis le 1er janvier 2024. Ah ouais, super, ouais. C'est récent en tout cas. Pour commencer l'année en beauté. En beauté, ouais. Super. Mais nous, on peut te souhaiter en tout cas beaucoup de belles choses, beaucoup, merci beaucoup. De belles opportunités. Merci et bien. Que 2024, qui a bien commencé pour toi, puisse te permettre de progresser et d'aller encore au-delà, bien sûr, de amen. Tes attentes. Amen. Et comment est-ce qu'on peut te contacter pour des scènes? Bon, pour me contacter pour des scènes, c'est au 64-64-39-25 ou au 57-09-14-12. On va reprendre tout doucement. 64-64-39-25 ou au 57-09-14-12. Super, merci beaucoup. Okay. On peut applaudir pour Ariel Buzzmatic. Merci bien. Voilà, Anitche. Et à bientôt. Super. Voilà. C'est bon, les esprits sont descendus. Je dis on peut causer maintenant. Hein? On peut maîtriser la danse comme ça.
Ça même c'est parce que moi, j'ai laissé. Sinon. Hey, pardon. Laisse pour toi. Non, mais attendez. Non, non, non. Oui, non. Oui, oui, oui. Non, non. C'est le pas le micro, là. Même level. Non, en fait, c'est juste qu'elles ont mis plus d'énergie que c'est moi. C'est que les gars l'ont fait, là. Elles ont mis plus d'énergie que moi. C'est Tiens. Normal, c'est leur travail. Mmh. Voilà. Tiens, tu as dit quoi? C'est pas pareil. On t'a envoyé se faire ça, ça fait quoi? Oh, la honte. La honte, elle a crié ici. La honte de ma vie. Il est parti. Alors, bienvenue, Basier. Avec ton équipe, beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. Ouais. On apprécie, c'est super. Merci. Eh bien, Ardev, c'est quoi déjà? Ardev, c'est la structure qui porte le projet Engagement Féminin. Okay. C'est un programme de formation donc, en danse, mais aussi des formations dans tous les métiers, corps de métiers qui accompagnent en fait, la danse. Donc l'administration, la communication, mais aussi régie son lumière. Ok. Package. C'est le tout, en oui, fait. C'est l'ensemble, ouais. D'accord. Parce que c'est vraiment des personnes qui ont envie de porter des projets, donc de formation, de compagnie, de création. Et donc, c'est important de leur offrir toutes ces connaissances-là pour porter à mieux, en tout cas, leur projet. Et c'est au profit des femmes. C'est au profit des femmes. D'ailleurs, voilà pourquoi engagement, engagement féminin. Engagement féminin. Mais d'accord. Quelque part, on sait que femme est là. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, on en a quelle édition? 16e édition. Ça 16e fait édition. 16 ans que ça existe. D'accord. Donc, et ça accueille chaque année des danseuses du continent. D'accord. Donc, qui viennent de... On en a ici qui sont représentées. On a quel pays? Bonjour. Dosso Nawakisa, le Tchad, la Côte d'Ivoire. Okay. Le Tchad, la Côte d'Ivoire. Non, Locha, c'est mon prénom. Ah, ok, Locha. De la Côte d'Ivoire. Je viens de la Côte d'Ivoire. D'accord. Locha. Elle a compris. Ok. Quand Arafat a fait Agbanya, hey, c'est eux. Ah, d'accord. Oui, et vous? Moi, je viens de France et des Comores et j'habite au Sénégal. France, Comores, vous habitez au Sénégal. C'est ça, je m'appelle Tamane. Et vous êtes au Burkina maintenant. Ah, elle, c'est. Non, je comprends. Ça se voit. Ouais. C'est un mélange. Comores, France. Dakar, Ouagadougou. N'est-ce pas? Super. Bonsoir, moi je suis Khadija Toutanapo. Khadija Tou? Khadija Toutanapo. Ok. Je suis malienne. Malienne? Oui. Anitche? Si. Anga Maliba? Sonjoula là. Oui. Bonjour, moi c'est Lou Véronique. Je suis de la Côte d'Ivoire, mais je viens du Niger. Ah, c'est un mélange ici. Hein. D'accord. Bonjour. Je m'appelle Maïmouna Sogodoro, je suis une Malienne. Malienne, ok, Maliba. Mais tantôt, c'est la Burkinabé, là. Bonjour. Bonjour, bienvenue. C'est Amoulé. Rebecca. Vous allez bien? Oui, très bien. Ça se passe bien? Oui. Et à Cotonou? Ça va. Ça va bien? Oui. Automatiquement, elle accent. Hein? Elle accent, tu as su. En fait, ayez le regard. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. La Nocturne de Cotonou. Si c'est pas là-bas, c'est où? Ah. On vient du Bénin, c'est ça? Oui. Super. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Kamate Sali. Kamate Sali. Oui. Je suis burkinabé d'origine malienne. D'accord. Ah, d'accord. On arrive, hein. Calmez-vous. On vient. Bonjour. Burkina Mali même qui Doucement, joue Doucement, il vient. Oui. Bonjour. Je suis Marie-Olivier et je représente le Gabon et le Sénégal. Marie-Olivier. Oui. Okay. Gabon-Sénégal. D'accord. Gabon-Sénégal. Oui. Ah, c'est un métissage, je hein. Je te dis même. D'accord. Continue. Bonjour. Bonjour. Je suis Marie-Pab Lamboni. Je Marie? Viens du Marie-Pab. Marie-Pab. Lamboni. Lamboni. Okay. Je viens du Togo. Togo. Yeah. D'accord. Ok. C'est bon? Samy, tu as ta sœur ici. Ah, bonjour. Bonjour. Moi, c'est 314. Un peu plus fort, s'il vous plaît. 314 du Sénégal. 314. C'est 314. Bienvenue, fais mon micro. Oui. Où ça a commencé là? C'est le code maintenant, quoi. Ouais. Hein? On est parti. Regarde comment ça a commencé. Ça a commencé par un cri de guerre. Tcha, c'est quoi tcha? Locha. Voilà, locha.
Voyez un peu, ça c'est un cri de guerre. L'Otcha. Et ça envoie. Et puis après, on voit 314. Bon. Allez-y comprendre. Alors, ça se passe au CDC La Termitière, c'est ça? Ça se passe au CDC La Termitière. D'accord. On est à quelle phase en ce moment? On est à c'est la troisième semaine. Mm-hmm. Et là, il nous reste une semaine pour cette session du mois de janvier. D'accord. Okay. Et l'équipe, toute l'équipe revient au mois de juillet pour un temps de renforcement des capacités. D'accord. Et donc, on aura aussi des résidences de création, on aura des restitutions, en fait, des travaux donc de janvier et de juillet. D'accord. D'accord. Et pour des personnes qui veulent participer, comment est-ce qu'on adhère? Ben, en fait, chaque année, on lance un appel à candidature. Okay. Donc, qui est lancé, relié sur les réseaux sociaux. Donc, et on constitue un dossier, on envoie avec un lien vidéo pour nous montrer un peu ce qu'on, son savoir-faire donc, en danse, qui nous permet, et une lettre de recommandation, donc de personnes morales ou physiques connues du milieu de la danse. D'accord. Et puis, donc, ce dossier nous permet en tout cas de, voilà, de sélectionner. C'est donc dit que c'est ouvert beaucoup plus aux professionnels du monde de la danse. Plus des gens qui ont envie vraiment de faire carrière, de se lancer durablement et soit qui ont envie de porter des projets. D'accord. Donc comme je dis, c'est vraiment, ça touche à tous les corps de métier. Donc c'est des connaissances beaucoup plus larges qui va au-delà de la danse. Voilà. D'accord. Okay. Pour la restitution, c'est ouvert au public? Là? La restitution? Oui, c'est ouvert au public. Là, on fait des restitutions que le mois de juillet. Donc, En juillet. En juillet, d'accord. Donc voilà, pour tous ceux, toutes celles qui veulent voir, ce serait fin juillet. Mm-hmm. On fait un temps fort, ce qu'on appelle le temps fort, donc qui va présenter les restitutions des formations. D'accord. Plus les projets les spectacles, donc accueillis en résidence qui vont être présentés. Super. C'est passionnant. Comment? C'est très passionnant. C'est quel côté qui est passionnant? Tout. Surtout la pratique là. C'est quoi tu as retenu? Moi j'ai retenu qu'elle danse super bien. Vous êtes invité. À faire quoi? À venir. À venir. Qui ça? Qui? Et moi ma pratique. Qui est invité? Moi? Vous deux. Qui est invité? Tu doutes. C'est ça. Mais je doute. Est-ce que j'ai vu là? Bah voilà, c'est pas chauffé. Amdala. Non, mais je suis sûre que moi, si je passe un là-bas, bon c'est pas chauffé. Avec... Là-bas, on refroidit. On chauffe pas, on refroidit. D'accord. Alors, si vous avez un appel à lancer, ça serait lequel? En fait, c'est des femmes qui croient vraiment à ce qu'elles, à leur projet. Mm-hmm. Donc, qui sont là, qui, en tout cas, s'outillent auprès de chorégraphes, de metteurs en scène, de régisseurs, d'administrateurs, de communicateurs, on va dire. Donc, en tout cas, tout c'est. Ce beau monde-là, en tout cas, qui les outille, mm-hmm. on lance l'information donc, pour celles qui n'ont pas l'information et qui ne savent pas que ce projet existe. Donc, d'aller, nous sommes sur les réseaux sociaux, on a un site internet aussi pour engagement féminin, oui. Qu'on peut retrouver facilement en tapant sur Google. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment toute la rétrospective aussi du projet. Ça fait 16 ans, ça existe, ça a touché plus d'une vingtaine de pays. Plus d'une centaine de danseuses donc, à travers le continent. Mm-hmm. Et que voilà, toutes ces personnes sont les bienvenues. D'accord. Pour s'outiller, se former. Ce n'est pas former des danseurs, mais c'est former des personnes aussi qui sont averties. Et qui seront utiles également à leur environnement. À leur environnement et à l'art. Donc, mm-hmm. Que ce soit après, on se retrouve dans un bureau. Pour quelqu'un qui a de la pratique, il est plus apte. En tout cas, accompagner. D'accord. Et a fait face à pas mal de situations. De situations. Super, ça marche. Merci beaucoup. On peut applaudir pour Ardev. Il y a un micro par là? Il est là. La beauté veste. On dit quoi? Ouais, ça va. Ça va bien? Oui. Et à USC? On envoie ou bien on n'envoie pas? Ah, allons. Envoie? Ou bien c'est lui qui envoie? Envoyez-moi. Non, c'est une tête! Engagement! Attendez! Mais qu'est-ce qui se passe? Sa communauté comme ça! C'est une tête! C'est une tête! Alors! Le gars, en fait, en réalité... En fait, il est à l'aise. Viens par là. Il est trop à l'aise là-bas. Là. En fait, vous savez... on peut faire ça. Au cours de la saison, on a eu les... Comment je vais dire ça? On a eu le grand quiz par ici.
Et nos amis donc, de ESC étaient en finale pendant le Grand Quiz. Ils étaient opposés donc, à nos amis de l'AJPDBF. C'est bien cela. Et c'est l'ESC qui a remporté donc, le Super Grand Quiz. Hein. Voilà. Et c'était lui le capitaine de l'équipe. Bon, aujourd'hui... Moi, je ne comprends pas. En tant que capitaine... Comment un capitaine laissait le bateau? C'était lui qui envoie le cri des gars à l'époque. Oui. Bon, aujourd'hui, il est assis de l'autre côté. Je demande si c'est lui qui envoie. Il dit non. Tu as dit quoi? Toi, tu as quoi? Tu as quoi? Engagement féminin. Pourquoi tu es devenu engagement féminin? Pourquoi? Parce que je suis avec eux. Donc, demain, oh. Mm-hmm. Si tu es avec engagement masculin, tu seras là-bas aussi. Il est dedans. C'est comment tu es? Mais tant que ce n'est pas fini, là, on est là. Donc, le micro, voilà. Elle a un mot pour lui. Un mot? Oui. Okay. Lundi, là, tu vas faire quoi avec eux? Ça, c'est une phrase. Un mot. C'est une phrase, monsieur. Tu veux un mot ou une phrase? Une phrase. Un mot ou une phrase? Une phrase. Et la phrase, c'est quoi? Lundi, là, tu vas passer, tu vas pas dire faire quoi avec eux. D'accord. Et vous, vous dites quoi maintenant? Oh! ESC! Merci beaucoup, Patrice. ESC! Voilà, ma famille! C'est vous, hein, c'est vous, c'est vous. Faut rester là-bas. Voilà, super, ça marche. Allez, ce qu'on va faire là pour la suite, je pense qu'on va ouvrir une autre halte, hein, permettre à notre très cher ami ambassadeur de Karpala de nous rejoindre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a concocté pour nous? On va le suivre ensemble, on va le découvrir avec lui. Merci d'applaudir pour Sammy Booster. Merci de mettre la honte sur moi, il n'y a pas de souci. Ça va, j'ai compris, il n'y a pas de souci, comme d'habitude. Et toi, il faut que tu arrêtes avec Karpala parce qu'il n'y a personne à Karpala qui me reconnaît comme ambassadeur. À ce moment, tu viens, s'il te plaît. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire encore? Je tiens à vous préciser une chose. Oui. On ne s'est pas concerté. Ah oui, la couleur. On est arrivé matin à la télévision, chacun a quitté chez lui, il est venu. Voilà. Voilà. Moi, je suis dans le quartier chic de la Patte d'Oie. Le monsieur l'a quitté dans le bidonville là, de ouais, Karpala. C'est ça, ouais, c'est ça. Et cette dame, elle l'a quitté quelque part. Voilà. Folie, c'est mieux. Dans un quartier où il y a un seul goudron qu'on appelle Songnava. Voilà. Et puis, on s'est retrouvé ici. Donc, les couleurs là, bon, c'est pas nous. Voilà. Ben voilà, c'est cher bien. Ami, vas-y. Ça veut dire que voilà, il y a de la connexion. Public, est-ce qu'on peut s'applaudir très fort? Merci. Allez, mon cher Guy, aujourd'hui, j'ai décidé, tout simplement, sinon on a décidé, d'ouvrir une petite parenthèse donc, dans la télé s'amuse sur la canne de l'hospitalité qui se passe où? Ça se passe où actuellement? En Côte d'Ivoire. Voilà, en Côte d'Ivoire, tout simplement. Et tu sais, Guy, s'il y a bien une phrase qui, pour moi... Ça se passe en 4 à 0. Bon, je ne suis pas responsable de cela. Coup du bateau! Ben, ben, ben! Alors Guy, tu sais s'il y a un mot qui pour moi peut désigner cette canne, c'est, on va dire une phrase, c'est pas un mot, oui. Une phrase, ah, d'accord. C'est que derrière tu vas me rattraper, okay. C'est la phrase ascenseur émotionnel, bah ouais, ascenseur émotionnel, parce que ouais, certains rigolent pendant que d'autres pleurent, rien n'est gagné pour personne, on ne sait pas c'est qui va gagner cette canne, honnêtement, on le sait pas, c'est qui, voilà, hein. Oui, c'est bien. Il est malin, lui. On peut l'applaudir. Ouais, c'est vrai. Les étalons, il y a bu. Je suis malin. C'est bien. Alors, comme pour marquer un peu, je vais dire comment, cette bipolarité émotionnelle. Oui, bien sûr. Car, ouais, c'est bon. Hein? Petit cours de français sur vous. Depuis qu'il y a Goudron à Karpala. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous proposer quelques petites vidéos qu'on a prises ici et là, des vidéos insolites, on va le dire comme cela, qui, voilà, que j'ai regroupées dans deux grands ensembles. J'ai appelé d'abord le premier ensemble, les tops. D'accord. Les tops, ça regroupe un peu les vidéos qui nous montrent des expressions de joie, ok, du public, de tout le monde. On va regarder plutôt et derrière, on va débriefer tout ça. C'est parti. On va rigoler.
C'est beau, mais attends, qui a mis Weo Weo là? C'est qui a mis ça? Enlevez Weo Weo. Alors ouais, bien sûr, s'il y en a qui rigolent, qui sont contents, eh ben il y en a également qui sont pas du tout contents. Car elle est là. Oui, vas-y. Diminuez s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut répondre ce qui était dit là-bas? Qui a dit quoi là-bas? Qui a dit quoi? Interdisez toute personne qui vient de Tampuy ne doit plus rentrer. Désormais, là, filtrez à l'entrée là. N'importe qui peut rentrer ici. Voilà, c'est pas le marché de Tampuy ici. Les gens qui viennent de Tampuy, tu vois, les quartiers comme ça, c'est compliqué. Les gens qui sont habitués à aller au marché à bétail à Tampuy, ils viennent pas ici comme ça. Hein. Allez, Guy, on y va. On y va pour des flops. Pour les flops à présent, s'il y en a qui rigolent, il y en a qui ne sont pas du tout contents. Voilà, ah ouais? Allez, on y va. Les tops, les flops, voilà. Vraiment, éléphant, on ne veut plus ça. Les gens vivent leur passion à fond. Non, hein. Non, éléphant, on ne veut plus ça. Ça m'a marqué. Ça met les organes. Vraiment, voilà, c'est compliqué. Voilà, expression de colère, c'était ce qu'on a vu à l'instant. Et Guy, j'ai également regroupé un certain nombre de buts qui, pour moi, mériteraient qu'on les mette tout simplement dans le grand ensemble. Top but. Et c'est parti. Regardons. Il va chercher la Mostafa Mohamed. Oh, Mostafa Mohamed. Il n'y a pas Moussala, mais c'est bien Mostafa Mohamed qui va s'ériger en héros de la nation, en sauveur. Ouais, c'est passé, ça marche, pas de réparation. Le festival, quel but ! Ouais! Konaté, c'est l'homme! Non, mais c'est vraiment un but magnifique, hein, Guy? Oui. Tu fais quoi là-bas? Je te suis. pas du tout, tu ne me suis pas. Comment? Alors voilà, pas. J'aimerais qu'on ovationne tout simplement pour Konaté, les amis. Konaté, très bon but. Alors, cette canne, tout simplement, mon cher Guy, brille également par des flocages de maillots. Oui. Hein, insolite, tout simplement. Je ne vais pas parler trop, regardons. Et puis derrière, on va parler. On y va. Voilà.
Comment ça, ça goûte ton combat? Il dit flore mon combat là, ça vous dit rien. Non, mais moi, ce qui me retient, c'est mon rival est vilain. Mon rival est vilain. Femme claire. Ladybug, le chat noir. Chat noir et Ladybug. Je dis que. Je ne connais pas. C'est bon, pas de problème. Je ne connais pas. Le mari de Oumu. Non, lui-même, il a tué. Le mari de Oumu a tué. Ne jamais avoir pitié le garçon. C'est alors, très important. Alors, mon cher Guy, cette canne. Allez, on va poursuivre, les amis. Cette canne, c'est vraiment la canne de toutes les possibilités. Et une pétition a été lancée. Ok. Oui, une pétition a été lancée. J'aimerais qu'on regarde ensemble et derrière, on va prendre des avis, si possible. On y va. Voilà. La pétition, il y a une pétition, je vois Mansour Loum, mm-hmm. qui fait une pétition pour que la Côte d'Ivoire organise la CAN pour les 10 prochaines éditions. Oh là là. Voilà, parce que tellement c'est chic. C'est voilà. Chic. Et là, c'est bien parti. Hein. On a 90% de oui. Jusque-là. Sur 8028 votes. Hein. Voilà, et on a 10% de Camerounais qui, voilà, qui sont pas d'accord. Ah ouais. Il y a 10% de Camerounais. Il y a les commentaires en bas, tu vois, voilà. Où cette édition colle tellement à leur image, c'est trop la folie. C'est trop la folie, moi je signe. Voilà. Que ce soit au niveau foot ou ambiance en dehors, personnellement, je n'ai jamais vu ça depuis que je bosse et sur des cannes. Voilà. Tout n'est pas parfait, mais il faut que cette édition soit désormais une référence. Ovation pour la Côte d'Ivoire, les amis. C'est vraiment... Ouais, bravo. Vraiment, même si tu n'aimes pas le lien. Même si tu n'aimes pas le lien, il faut reconnaître qu'il court vite. Ça, d'accord. Et faut reconnaître qu'il y a eu 4 à 0. Il y a eu 4 à 0 quand même. Ouais. Voilà. Remettez, ouais. Les Marocains ont gagné. Bon, allez. Ouais, il y a eu 4 allez. À 0. 4 fois coup du marteau sur la tête de l'éléphant. Allez, bang. Mais il s'est réveillé. On l'a réveillé. Voilà, on l'a réveillé. Merci aux Marocains. Regarde, il est debout. Ah, Charadi paye. Ok, voilà. Allez les amis, ouais c'est ça, je vais me taire. Avant de me taire, laisse-moi te donner cette information. Le 11 type de la CAN est connu. Non, le 11 type du premier tour. Du premier tour, bien voilà. Sûr. Voilà. La CAN n'est pas encore finie. On a compris. Voilà, le 11 type est connu, les amis. Et notre Zach Soba national, Edmond Tapsoba fait partie. Wow! Zach Soba, encore du bruit pour Zach Soba. Je suis ton repéro numéro 1. Quand tu viens, bon, voilà, vous m'appelez. Voilà, tu as dit voilà. Quoi? J'ai dit c'est un père. Qui ça? Edmond Tapsoba. Il était au quartier ici. Elle ne le voyait pas. Il n'était pas encore un père. Ah, c'était en mode farine. Là, voilà. Maintenant, c'est devenu. Il est devenu père. La boulangère a travaillé et tout. Bon, voilà. Vraiment, super. Samy, c'est. Voilà, c'est tout. C'est tout. J'avais concocté pour vous. D'accord. Est-ce que c'était bien, les amis? Non, attends. C'est quoi? Attends d'abord. Gordon! Voilà. Samy, quand tu commences quelque chose, il faut bien finir. Il ne faut pas faire le travail de Magouya. Hein? Il a fait quoi? Voilà. Les étalons jouent. C'est quand là? C'est le 30, hein? Le 30 janvier, ouais, à 17h, contre le Mali. On espère bien. On espère bien qu'on va remporter le match. Lui donner le micro. On n'espère pas. Mon classement était fait. Ton classement était fait. Moi et Miss Tania, on a discuté. Ok. Voilà. Le match passé là, c'était échauffement. Vu qu'on était qualifié. Ce match là, vous allez voir. On va voir. Faut pas parler. Ça va. Vous verrez. Samy, viens. Tu veux même me dire quoi pour ajouter? C'est qui est Marguia là? Non, j'ai pas dit que tu es Marguia. J'ai dit ne fais pas le travail du Marguia. Ah ok. C'est parce que le Marguia, tu vois, quand il fait ses déchets, c'est noir. Devant toute la nation, tu allais voir. Et après, tu vois, il met un truc blanc dessus pour tout gâter au fait. Allez, merci. Voilà. Allez, merci Samy Moussa. Et puis bah, allez, on souhaite encore une bonne fête hein, à tous ces pays-là qui participent, sinon à tout le continent. Voilà, on prend plaisir à vivre ce moment-là avec tout ce qu'il y a comme sensation et comme émotion. C'est ça, hein, la fête du football. Mais il faudrait qu'on reste focus, nous, en tant que supporters, ne nous détournons pas de l'enjeu. Hein, parce que, voilà, il y a le jeu qui est là, et c'est ça le plus important. Ce qui se raconte après, à côté, pouvoir créer des tensions, non. Faisons fi de cela. Hein, tâchons de rester
focus, c'est ça le plus important. Supportons notre équipe, c'est tout. Voilà, en supportant l'équipe et puis on les pousse à la victoire en espérant que voilà, la coupe sera là au soir du 11 février prochain. Allez, prochaine halte, je pense qu'on va vous inviter à nouveau, hein, nos chers amis donc, de l'engagement féminin, Aridev, pour encore, pourquoi pas, nous booster, nous galvaniser, nous envoyer bien sûr de la force comme elle a demandé à l'instant. C'est important. C'est quoi? Venez, pardonnez. Venez. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Je fais mon style. Voilà. Dordain. La Côte d'Ivoire, inspirateur d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête. C'est quoi? Et vous savez? Bien sûr, de partout, hein, le continent, elles sont présentes. Peut-être que c'est aussi veut faire quelque chose. Ils vont faire. Ils vont faire, comme quoi. Voilà. Elles viennent bien sûr du Bénin, du Sénégal, de la France, des Comores, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Voilà, l'Afrique en miniature représentée ici sur ce plateau à travers donc Aridev, hein, voilà, qui a lancé le programme Engagement féminin, qui en cette année est à sa 16e édition. Ils l'ont dit, hein, la restitution, ça sera pour le mois de juillet prochain. Ça sera au CDC La Termitière. Voilà, rendez-vous qui sera ouvert, bien sûr, à tout le monde. Vous voulez faire? Ils veulent. Oui. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça, là. Moi, je suis Kadi Bibe. Cardi B. C'est qui vous accompagne? Cardi B aussi. Cardi B. Voilà. Je sais pas là. Ben, si. Bowden, au revoir. Ouais. Vous représentez ESC. Voilà.
Elle seule. Pour vous, vous tous. Vous n'êtes pas honte. Elle est. Mon ami, toi. Non, hein. Tu n'es pas à nous. Non, pas voilà. Deuxièmement, pas. Voilà. Tu nous as trahis. Vas-y. Tu nous as trahis. Mon ami. Deuxièmement, pas. Attends. Deuxièmement, pas. Ne parle plus de notre affaire. Elvis, apporte-moi mes éléments, s'il te plaît. Il est à. Allez, on va donc à présent jouer ensemble, voilà, à ce qu'on appelle ici « Read My Lips ». Ça sera donc notre premier jeu. Tu vas reculer un peu, voilà. Vas-y, vas-y encore, vas-y. Voilà. C'est bon, on en prend le second. Tu m'aides avec ça, s'il te plaît. Il faut reculer. Quand ils sont trop proches là, c'est pas bon. Recule un peu encore. Voilà. Oui. À ce moment, tu me choisis deux joueurs. Vas-y. C'est la personne qui a baissé le visage de cette personne à lui prendre. C'est quoi qui ne regarde pas les prendre? Asseyez-vous. Voilà. Il y a voilà. Deux. C'est si simple que cela. Très simple. Tenez ça. Je peux avoir un micro? Il y a mon micro ici, Guy. Ah, ok, d'accord. Attrapez ça. Mettez le casque. Voilà. Non, mettez-le d'abord comme ça. Pour l'instant, il n'y a rien. Je vais vous expliquer le principe. Je vais jouer de la musique. D'accord? Elle sera jouée à fond. À fond même. Et elle va parler. Elle dira des mots. Vous allez devoir nous dire ce qu'elle dit. Donc, il faut bien regarder le mouvement de ses lèvres. Hein? C'est bon? On a compris le principe? Comment on s'appelle? Dans le micro. Bouliou Abiba. Abiba. D'accord. Et vous rappelez votre nom? Khadijatou Tanapo. Khadijatou. Il faut porter le casque. Abiba et Khadijatou. Il faut porter le casque. Khadijatou Afaga. Mmh. Abiba va porter son casque. Abiba, tu m'entends? Tu entends ce que j'ai dit là? Tu es sûr que tu entends? J'ai dit quoi? Je vais demander si elle vous entend. D'accord. Voilà. Ça, parce que ça va recommencer. Faut bien tester. Hein? Teste bien. Tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Oui. Non, laisse. Il faut lui montrer là-bas. Moi, je veux gérer Abiba ici. Elle entend. Elle va bien porter le casque, en fait. Voilà. On entend. Bon. On y va. Il faut parler, hein. Allez-y, parlez. Journal. Journal. Chaussette. Journal. 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 Ouais. C'est bon. C'est bon. Voilà. On y va pour le deuxième. Karaté. Ouais! C'est pas compliqué, non? Ou bien? Non, allez. Abiba, c'est bien. On reprend. Cette fois-ci, on change donc de joueur. Même principe, avec bien sûr. On peut y aller? Bien sûr. Poulet. Faut parler, moulin. Faut parler. Poulet. On y va. Sapin. Faut parler, parle. Sapin. Tempé. Sapin. Sapin. Tempête. Effectivement, il y a la tempête dans tes oreilles. Hein. C'est une vraie tempête. Sapin. Tant.
Sapé. Ouais. Non, attends, je vais changer de joueur. Ben, c'est pas évident, hein. La musique, hein. Dans le micro, hein. Non, c'est pas confirmer aux gens. Ça va, tu es évident. Ça va? Hein? Vous avez gagné, c'est bon? On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Venez, cher ami, vous. Voilà. Venez, asseyez-vous. Choisissez quelqu'un qui veut le jouer. Choisissez. Allez-y, choisissez. Prenez une personne. La personne que vous voulez tirer seulement. Pourquoi garçon? Le gars, il a senti. Il a senti qu'il y a quelque chose qui venait derrière. Il a senti ça. Vous appelez comment, s'il vous plaît? Loukou Jean Bedel. Comment? Jean Bedel Loukou. Loukou Jean Bedel. Ah, Loukou. Vous êtes danseur, chorégraphe? Administrateur culturel ivoirien. Administrateur culturel ivoirien. C'est important d'ajouter. Oui, c'est très important. Coup du mato. Ben. Votre nom marocain, c'est quoi? Votre nom marocain, c'est quoi? Ashraf? Justement. Chanfrasol à la paya. Cher ami, ça va? À ce moment, je peux passer le micro, hein. Ça sera le même principe avec vous? D'accord. Vous pouvez y aller, porter. Oui, c'est. Allez-y, portez. Monsieur Loukou. Loukou. Voilà. Voilà, c'est bon, on y va. Allumette. Asmao, vas-y. Chaussettes. Allez, en place. Allez-y. Voilà. Garçon aussi, hein. Hey, les filles, rassurez-vous. Hein. C'est la même musique, là, même volume. Rien n'a changé. Voilà, rien n'a changé. Super. Garçon aussi est rapide. On peut être rapide comme ça. Pim, 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 pim. Allez, donc, vite, là, pour la suite. Ouais. C'est chic. Tariq. Merci beaucoup. Merci, Ten. Allez, je tiens donc non, attends, Ten. Faut pisser vite, ça, là. Hein. C'est bien. Voilà. Allez, je tiens donc au nom de l'équipe à passer nos salutations les plus chaleureuses et distinguées à l'endroit de Monsieur Ismaël Saint-Poré, PDG donc de Saint-Port Trans International, qui nous suit depuis Lomé, également grand supporter des talents. Monsieur Saint-Poré Ismaël est celui-là même qui a décidé donc à travers sa structure de nous accompagner lors de la grande finale du super grand quiz, voilà, qui a bien voulu donc récompenser nos différents participants. Allez, une autre halte dans cette aventure. On va donc aller en musique avec un jeune artiste également burkinabé qui fait de belles choses et qui entend en tout cas inscrit son nom en lettres d'or pour ce qui est donc du panthéon de notre musique. Ça sera aussi, pourquoi pas, une découverte pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de le voir. Merci de faire un triomphe et de recevoir ici Sarik. Thank you.
Je sais pas, mais on dirait que les gens sont passés le mot. Franchement. C'est sorti un coup. La danse. Avec une chorégraphie, on se croyait dans un... Quoi, c'est Fitini Show, non? Ou Bambino, Bambino Show, hein, mélangé quelque part là-bas, chorégraphie. Ce sont tes danseuses? Non, c'est une compagnie de danse. Qui t'accompagne souvent? Non, moi-même, je suis là-bas. Ah, ok, tu es... Voilà, dans la compagnie. Mais fallait me dire ça depuis le début, au fait. Hein? On a Ardev, lui aussi, compagnie de danse. Bon. Fallait dire qu'aujourd'hui, c'était la danse. J'allais me mettre aussi en tenue de danse. Mais tu vas voir comment je suis en tenue de danse. Salut, ça va? Oui, ça va très bien. Super, tu n'es pas seul. Non. Voilà, ils sont là. Dimolo, venez les gars. Voilà, merci de les applaudir également. Super. Dimolo, comment va? Je vais bien. Ça va bien? Oui, ça va chez vous. Ça va bien également. Ça va très bien. C'est la team de Sarik. Oui. Quand ça commence, dites-moi aussi. Voilà. Parce que, en fait, pour être dans la team de Sarik, vous voyez un peu. Voilà. Quand ça commence, dites-moi. Ouais. Et puis, je vais me mettre à côté. Dis-moi, viens. Voilà. Allez, il y a bien sûr une bonne nouvelle pour le public, pour les fans de la musique, pour les fans également de Sarik. Alors, c'est quoi cette nouvelle? Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'artiste a un concert demain, okay, au Senaza. Mm-hmm. Demain 28 janvier, à partir de 19h. Alors, le thème du concert, c'est « Mon casque, ma vie ». Voilà, je porte mon casque pour protéger ma vie. Okay. Je pense que c'est un sujet d'actualité et tout le monde doit s'y mettre pour éviter d'empêcher le Burkina Faso de se développer. D'accord. Parce qu'on a besoin d'une jeunesse bien portante, disciplinée et surtout civique. D'accord. Comme voilà. Quoi, l'artiste également doit se mettre à la disposition de sa société pour pouvoir porter des messages en vue donc, de conscientiser et d'éveiller les consciences des uns et des autres. Très bon thème en tout cas. Et voilà. Donc demain à 19h, c'est NASA. Yes. C'est son tout premier concert. Oui, c'est son tout premier concert live. Mm-hmm. Et il a sorti son album le 29 décembre 2022. Okay. Voilà, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il est passé par Bambino Show. Voilà, 2016-2017, il a remporté des prix en interprétation. Okay. Il est passé par l'INAFAC, il a fait Star Kids,
Donc, il a fait sortir son album en 2022 et c'est son tout premier concert live qu'on essaie de tenter pour voir ce qu'il est. On le fait ouais. Pour que sa belle carrière puisse se dessiner normalement. D'accord. Et c'est quoi les conditions à remplir pour pouvoir donc prendre part à cette fête-là demain au Sénaza? D'abord, il faut saluer la télévision BF1. Je vous demande d'applaudir pour... Voilà. Tu sais, c'est la première chaîne télévision qui a diffusé le premier clip de Sarik. Sarik, voilà. D'accord. Le titre est intitulé Tapé Poto. D'accord. Voilà. Alors donc pour demain. Pour demain, uh-huh. Pour avoir les tickets, il faut nous appeler sur le 118 91 24 31. Ok. Ou le 75 44 27 33. On peut reprendre les numéros tout doucement. 118 91 24 31. Ok. 75 44 27 33. Super. Vous êtes tous invités. Les tickets sont disponibles. C'est à combien? À 2000 et à 5000 francs. 2000 et 5000 francs. Oui. D'accord. Sarik, tu veux ajouter quelque chose? Vas-y. Donc tu peux les inviter, hein, vas-y. Voilà, je vous invite tous demain à partir de 19h. Voilà, au Sénaza pour un conseil inédit. D'accord. Voilà. On dira que c'est son baptême hein, de feu. Donc, venez donc l'accompagner, venez le porter. C'est votre artiste. Voilà. Et il entend en tout cas défendre les couleurs nationales sur le plan de la musique. Il a fait flotter haut le drapeau du Burkina Faso. On ajoute un dernier truc. Il faut dire qu'on a deux parrains. OK. Voilà, Emile le chanceux. Et pas Mika la star. Super, deux voilà. Parrains artistiques. Voilà. Voilà, super. Merci beaucoup les gars. Rendez-vous donc demain à partir de 19h au Sénaza pour bien évidemment la fête à Sarik. Alors, nos amis de ESC, qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport donc à l'année académique qui se tient en ce moment? C'est lui. Maintenant, on fait comment? Tu as vu Malin? Salut, quoi? Ils ne sont rien sans moi. Oui. Lille. Alors, Camille, c'est quoi l'information que vous avez pour nous aujourd'hui? La dernière information, c'est que. Mais la première, c'était quoi? Bon, c'était passé, on était venu sur ce plateau, on a donc, passé. C'est la dernière. Fois, voilà. Après, il n'y a plus rien. Bon, ça va. Après, aujourd'hui, en tout cas, il y aura d'autres informations. Ah, donc, c'est pas la dernière? Bon, bon la dernière c'est pour la nouvelle, l'instant. En fait. Bon, la nouvelle. Ou bien? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. Les gars, changez-le. Hein. Oui, vas-y. Oui, c'est que la rentrée des masters a commencé depuis le 15 janvier et les inscriptions se poursuivent toujours. D'accord. Bon, c'est la dernière information. C'est ça comme ça. Voilà. C'est tout comme ça. Voilà. Maintenant, les conditions d'inscription. Il faut donner aussi les conditions d'inscription. Oui. C'est en comptabilité. Okay. Voilà, il faut lister. Communication d'entreprise, marketing. Et management des projets. Elle t'embrouille? Non, bon, elle m'aide à citer. À non, elle t'aide. Voilà. Mais est-ce qu'elle t'embrouille? Est-ce que sa présence à côté te dérange un peu? Non, même pas. Pas du tout, tu es sûr? Oui. D'accord, donc vas-y. Oui. Reste concentré. Hein? Oui, transport, voilà. Logistique et bien d'autres. Ok, et bien d'autres? Oui. Ah ouais, vous faites ça aussi et bien d'autres? Bon, il y a beaucoup de filières, quoi. Donc, ah, il y a beaucoup de filières. Ok, d'accord. Sinon, il y a un artiste là, il s'appelle Et bien d'autres. Lui, il a tous les concerts. Ah ouais, il est là. Où, ça? Comment? Il est ici? Non. Souvent, il est à ESC. D'accord. Donc, comment on vous contacte? Bon, pour nous joindre, il faut nous... Je dis que... C'est un allez, Camille. Là. Camille, comment on vous contacte? Vous pouvez nous joindre au 76 55 17 77. OK. C'est la référence. Et nous formons les managements et... Les managers. Les professionnels du management. D'accord. Voilà. Vous êtes situé où? Et nous sommes situés à Ouaga 2000, et à 200 mètres de l'échangeur de Ouaga 2000. D'accord. Voilà. À 200 mètres de l'échangeur de Ouaga 2000. Oui. D'accord. Avenue Kadhafi. Avenue Kadhafi. Oui. Mais ta main là, ça montre quoi? C'est l'avenue là. C'est l'avenue là. C'est l'avenue. Pourquoi tu es assis ici là-haut? Et puis, l'avenue. Est-ce que ceux qui sont à la maison là, qui sont assis ici au même pour voir l'avenue là? Tout le monde ne voit pas de la même manière. Super. Allez, c'est sûr. Tout juste, pas loin de l'échangeur de Ouaga 2000. Quand vous quittez l'échangeur de Ouaga 2000, il y a un feu. Juste après ce feu-là, vous verrez donc sur votre droite la pharmacie Sainte-Augustine. C'est sur le même bâtiment. Voilà. Et quand vous quittez donc le monument des héros nationaux en direction de l'échangeur, vous verrez donc à votre gauche, après le deuxième feu, hein, toujours sur le même bâtiment que la pharmacie Sainte-Augustine. C'est ça, non? Prenez-moi.
ou bien? Oui. Est-ce que vous avez l'argent pour moi? C'est ça. Allez, on va continuer donc l'aventure avec bien évidemment encore un jeu. Elvis, merci de nous apporter le dispositif. Je vais le mettre là. Là. Voilà. Ok. Tu peux l'activer? Ah. Ok. Alors, donne un instant. Voilà. Voilà. C'est pas à la main, c'est buzzer. Allez, on va jouer à ce qu'on appelle ici à la queue le. Venez. Venez. À la queue le. Rapidement, rapidement. Adja, venez. À la queue le. Oui. Venez. Adja est là. Hein. Ah, à qui? Venez. Bon, il n'y a que des femmes sur le plateau. Hein. Cher ami, venez, venez, venez. Oui, venez rapidement. On va aller vite. Voilà, venez tout rapidement. Au fond, en haut, là-bas, là. Hein? Oui, oui, je vois clair. Alors. À la queue le. À la queue le. Mm-hmm. C'est assez simple. Hein. Le principe. Le principe, il est simple. Vous aurez donc un petit thème. Et vous disposerez donc de 3 secondes pour me donner la réponse. Il faut qu'on recule un peu. Ça, c'est bon, ça reste. Voilà. Quand vous donnez la réponse, vous appuyez sur le buzzer et vous allez donc à la queue, au fur et à mesure. Après, on change de thème. Celui qui n'arrive pas est éliminé. Est-ce qu'on est bon? C'est bon? On a compris le principe. Je peux avoir un micro? Bien sûr. Parce qu'il faudrait qu'il puisse parler dans le micro. Voilà. Tenez, ça, c'est pour vous. Avancez-vous. Et je dis donc pour vous quatre, le premier thème. Citez-moi un jour férié. Le 8 mars. OK. Allez-y derrière, venez. Noël. D'accord. Le 1er janvier. OK, allez-y. Le micro. Le 11 décembre. OK, on continue. La fête des mères. Depuis quand fête des mères est fériée? Hey, femme! Hey, femme! On vous applaudit, merci de gagner votre place. C'est bon. Depuis quand fête des mères, maman est fériée? Alors, approchez-vous. L'ascension. Oui. Ascension, mais Assomption. Tout est mélangé. Les deux? D'accord. On y va. Je tiens ça pour vous. Fête de Pâques. Lundi de Pâques. Non, faites la part des choses. Attention. Dimanche. Reprenez. Lundi de Pâques. OK. Ça, c'est férié. Appuyez sur le buzzer. Mm-hmm. Le Ramadan. Oui. Le jour de l'indépendance? Bon, on a dit le 11 décembre. Bon, elle n'est pas d'ici. On peut... Ça passe, hein? D'accord, allez-y. Venez rapidement. Tabaski. Oui. Maouloud. Il a dit Maouloud. Est-ce que Maouloud est férié? Oui, c'est férié. C'est le lendemain. Non. On se calme, les gars. C'est le lendemain qui est férié. Cher ami, merci beaucoup. On peut rien de place. Allez. Qu'est-ce que c'est le lendemain? Je change de thème, d'accord? Citez-moi 3 choses qu'on peut avoir dans une trousse. Un ciseau, un stylo, une gomme. D'accord. Un stylo. Elle a déjà dit un stylo, fais comment? Elle veut prendre? Ok, on y va rapidement. Un crayon. Oui. Une gomme. Elle a déjà dit une gomme, hein? Si, elle a déjà une gomme. C'est. Merci beaucoup. Voilà. C'est bon. Merci, Elvis. Ah ouais. Ben dis donc, c'est pas facile. Hein. Et puis là, il n'y a pas chrono. Hein. Là, aujourd'hui, là, c'était pas bon pour vous. Hein.
Hein? On va vous jouer. C'est quoi le truc là? Range dans l'ordre, c'est ça non? Oui. Cardi B ou en femme, c'est ça? En tout cas, Cardi B. Oui. Non, c'est ça, comment c'est bon. Ou bien tir au but. C'est ça non? C'est super, ça marche. Allez, bienvenue, vas-y. On est quasiment donc à la fin. Qu'est-ce qu'on retient? Ben, très bon moment en tout cas ici à la télé s'amuse en tout cas. On s'est amusé, hein? Oui, super vraiment, bien. Super bien. On a dansé, ouais. On est, voilà, on fait ce qu'on, on a fait ce que nous faisons et ce que nous aimons faire. Mm-hmm. Donc, en tout cas, on passe un très bon début de week-end avec vous, votre compagnie. Super. Donc, c'est pas que la danse, c'est aussi ces moments, donc qui instruit. D'accord. Et, en tout cas, c'est un super bon moment. Merci beaucoup à vous. En tout cas, nous on peut vous souhaiter encore beaucoup plus d'inspiration. Et puis bon séjour hein, à nos amis qui sont venus donc d'ailleurs profiter de la chaleur du Burkina Faso, de l'harmattan, de la poussière. C'est ce qui fait c'est notre beauté. C'est ce qui fait notre charme ici à Ouagadougou. Hein, monsieur Loukou. Oui. Ouais. Voilà, ça va aller. Monsieur. J'ai un micro par ici. Féminin. Toujours. Alors, avec vous également, on se dit quoi? En tout cas, on a passé une très belle matinée. Ouais. En votre compagnie et à la compagnie de cette charmante dame. T'es venu encore? Chaque fois qu'il vient, cette charmante dame. Mon ami, tu aimes les gros camions? Et puis, hein? L'éternel est mon berger. Tu es un boucher. L'éternel est mon berger. Tu es un boucher. Tu aimes la chair. Allez, merci beaucoup à vous. On peut s'applaudir, les gars. Alors, vas-y, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone si on veut avoir de plus amples informations? Numéro de téléphone, c'est le 70-07. Attends, on se calme, on se calme. On respire. Voilà, on y va maintenant. 70-07-78-06. D'accord. Voilà, aussi simple. D'ailleurs, qui est affiché au bas de l'écran. Pour nos amis qui sont en face, merci également à vous. J'espère que vous avez apprécié ce moment-là. Voilà. Pour vous seulement, on va agrandir le studio bientôt. Allez, c'est fini pour ce numéro de la télé s'amuse. Merci encore à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris vendredi prochain pour encore du bonheur, pour encore notre moment de fou rire et de fun à vivre ensemble ici. Venez. Allez, Asmao. On s'est dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. J'ai enlevé ta soupe. Branché.